bien en plus. Péter un carreau pour le buter. Peut-être pas. Peut-être pas s'il n'est pas mon contact. Apparemment il est attiré vers moi mais... Tant pis pour le vert. D'ailleurs le vert en fait ça aurait été plus judicieux de faire comme ça des meurtrières plutôt. Ouais, remarque, ouais. D'abord l'avantage du vert, hein, vous voyez, c'est que si un ennemi est à côté, et ben en fait, là, parce que si c'était de la pierre, je l'aurais pas vu, je serais sorti, il serait arrivé là, et puis boum, il aurait explosé une bonne partie. Bon. Donc ouais, c'est ça que je voulais faire aussi. Et donc, alimenter mes fours. Ça c'est du charcoal. Et ben le charcoal, je vais le reprendre. Donc je pense repartir dans le Nether un petit 4. Hein, je sais pas encore quand. Hein. Pour aller chercher le Nether Rack et terminer mon point de spawn. Donc vous voyez, un très plus rapide que la marche, hein, le minecart. L'épée en diamant aussi très très efficace. Vous permettre d'avoir l'avantage sur un bon nombre de monstres. Vous voyez le creeper, je l'avais buté en deux coups. Là, ça, ça tue n'importe quel ennemi en deux coups, excepté les ghasts qui n'ont besoin que d'un seul coup d'épée pour mourir. En diamant. C'était ça ma stratégie avec le... Avec la fameuse canne à pêche. C'était d'attirer le ghast. Pour le buter à l'épée en fait. C'est une technique très très utilisée. Qu'est-ce que je voulais ici moi? Oui, c'est ça que je voulais. Voilà. Le charcoal, hein, donc je m'en sers que dans un four, alors qu'à la base je devais m'en servir pour tous les fours. Pour démultiplier en fait le charbon, hein, parce que donc c'est très très utile, mais j'ai tellement de charbon qu'en fait, ben, pas très très utile. Hein. Allez, donc je vais continuer certainement donc ma fameuse gare. Oh je sais pas, je viens de faire une parcelle. Vous savez comment c'est pour les suivants. Hein, donc je passe par mes checkpoints qui sont là. Pour aller donc hein, à mon fameux donjon. Ainsi j'aurai tout récupéré. Je pense que je vais faire aller en part pour un fail. En part dans le Nether. Allez, on y retourne. Je vais aller chercher le Nether Rack. Donc il me faut plusieurs trucs. Donc qu'est-ce que j'ai au moins de pioche? J'ai pas de pioche. Donc il va me falloir pas mal de choses. Ah bah. J'avais fait une... Ah oui, c'était ma pioche en diamant de... pour creuser de. Bah, pour faire mon fameux. Voilà, vous savez, hein, la fameuse porte du Nether, j'avais pris du... Donc c'est ça. Je n'ai même pas de flèche. Pas vraiment avec mon briquet et rien d'autre. Voilà, donc briquet, épée, armure en iron. Je sens que mon épée, je la perds, mais ça fait rien. Voici de la cobble quand même. Bien sûr, j'en ai pas là. Il va me falloir de la cobble. Vous voyez, hein, très très... Le minecart est pratiquement tout le temps à sa vitesse maximale. Donc 4 boosters tous les 16. C'est ce que je recommande. Alors, il me faut ça. Beaucoup du ça.
que les stacks fondent dans le nether pratiquement quand on construit quelque chose. Donc le minecart, très important qu'il soit dans un bloc lorsque vous appuyez sur le bouton pour être propulsé, sinon ça ne marchera pas. Allez, on est parti. On est parti. Là, je pense à détruire un carré celle-là. Ça va être en plus de récupérer des petits gammes. Ou ça, je disais, ne sera plus très très utile, mais bon. Puis en plus, ça me ralentit dans ma propre maison. J'ai pas trop l'intérêt. Voilà. Voilà. Je suis sur mon tour. Donc, les cochons zombies, je rappelle, un passif. Déjà un stack entier qui est parti. Vous voyez, je suis en easy et le nether est quand même très très dangereux. J'ai quand même 3 ghasts autour de moi et sans aucune flèche. Faudrait vraiment que je voyais en faire des flèches. Faire un escalier descendant.
Tu descends.